qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Más perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. Solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Gloria, s'il vous plaît, retournez à votre poste de travail et laissez-moi seul avec Madame Irène. Vous voulez que j'appelle la sécurité ? Ne vous inquiétez pas, je peux régler ça tout seul. Donc, s'il vous plaît, retournez à votre poste, je ne veux pas être dérangé. Et la réunion, vous devez y aller, je ne suis là pour personne, Gloria. S'il vous plaît, allez à votre poste de travail. Tu es en train de te comporter comme un gamin. Fais tout ce que tu as envie de faire avec tes doutes. Mais ne sème pas le trouble dans l'esprit de Felipe. Maintenant, il doute de moi, non mais pour qui tu te prends? Mais j'ai le droit de savoir, Irène. Mais tu n'as pas le droit de détruire ma vie. Je t'ai accompagnée dans ce voyage pour te rendre service et regarde le résultat. Tu interfères dans ma vie, tu interfères dans ma relation, ma famille. Maintenant, Felipe croit que c'est moi qui te donne des motifs pour que tu penses que Matteo est ton fils. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui te préoccupe? Pourquoi tu ne me parles pas sincèrement? Pourquoi tu ne me dis pas la vérité, Irène? Ce n'est pas ton enfant. Tu peux me croire. Dis-moi ce que je dois faire pour en finir avec cette situation. Irène, dis-le encore une fois. Mais cette fois, tu vas me regarder dans les yeux. Et nie-le. Jure-moi que Matteo n'est pas mon enfant. Vas-y, jure-le-moi. Jure-le-moi. Merci de me l'amener. Tu sais que j'adore m'occuper de mon petit-fils. Mais c'est bizarre pour Irène. Qu'est-ce qu'elle a dû aller faire de toute urgence? Je sais pas comment vous le dire, Madame Trinidad. Vous allez vous fâcher et en plus, vous allez trop vous inquiéter. Ah, ne me dis pas qu'il s'agit de Leonardo Ferrandis encore. Qu'est-ce que veut cet homme maintenant? La faire travailler de nouveau gratuitement dans cette entreprise? Non, c'est encore pire. Bien, il est convaincu que Matteo est son fils. Oh. Non, non. Non, non. Et elle est partie faire quoi? Elle est partie lui parler? Oui, Madame Trinidad. C'est la seule manière, c'est l'unique solution. Moi, au début, j'étais pas d'accord avec elle, mais bon, elle m'a convaincu que c'était mieux, que c'était la seule façon de l'arrêter. Il risque même de demander un test de paternité. Non. Cet homme est capable de nous enlever, Matteo, seulement pour se venger d'elle. Non, 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 ça n'arrivera pas. Ça, je vous le garantis, je vous le promets. Hors de question. Bon, moi, je dois aller au tribunal. Irène va venir chercher le bébé le plus tôt possible, ok? S'il y a un problème, vous m'appelez, hein? Non, non, ne t'inquiète pas, vraiment. Moi, je peux rester avec ce bébé tout le temps qu'il faut. Mais tu sais quoi, Felipe? Et excuse-moi d'être franche. Mais ce n'est pas Matteo qui m'inquiète. C'est plutôt Irène. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Que ma fille ne sait pas mentir. Mais comment tu peux être aussi insistant, mon Dieu? Est-ce que tu t'avoues jamais vaincu? Je continuerai toujours à insister, Maria Lucia. Je suis venu ici me battre pour toi.
Et je ne partirai pas avant d'avoir réussi. Ah, eh ben, je suis désolée de te dire que tu vas mourir de vieillesse sans retourner en France. Parce que moi, tu m'as perdu il y a longtemps. C'est pas ça, Maria Lucia. Mais tant que tu resteras ici, à être toujours aussi belle, tu risques de me retrouver à tes côtés pour toujours. Alors, je ne comprends pas pourquoi tu ne me donnes pas une autre chance. Écoute, Léo, excuse-moi d'intervenir, mais il y a une chose que tu piges pas. Maria Lucia a déjà un autre petit ami, une autre vie, d'autres projets. Et elle n'ose pas te le dire, mais moi, oui. Je te rappelle que tu l'as perdue dès l'instant où tu es partie. Mais je n'avais pas d'alternative, Sandra. Et en plus, je vous jure que je l'ai cherchée dans tous les coins. Et tout s'est passé très vite, mais maintenant je suis ici. Je veux qu'elle vienne avec moi en France. Eh bien, si tu veux emmener quelqu'un en France, tu n'as qu'à emmener Oriana. Exact. Oriana. Toujours Oriana. Je ne veux pas partir avec Oriana, ni avec personne à Paris. Tout ce que je veux, c'est toi. Tu sais quoi? Je ne te supporte plus. Est-ce que je dois aller à la police demander un mandat pour que tu te tiennes éloigné de moi à plus d'un kilomètre de distance? Très bien. Fais ce que tu veux, va les voir. Moi, ça m'est complètement égal. De toute façon, je suis habitué à avoir des problèmes. Avec la police pour toi. Jure-le-moi, Irène. Jure-moi que Matteo n'est pas mon fils. Ce n'est pas ton enfant. Je te l'ai déjà dit. Maintenant, laisse-moi tranquille. N'interviens plus jamais dans ma vie. Je t'ai donné ma vie, Leonardo. Et tu m'as mise de côté. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'était mieux parce que tu n'en vaux pas la peine. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas du tout. Dommage pour toi. C'est toi qui as décidé, Leonardo. C'est toi qui as décidé de retourner avec ton épouse. Et de refaire ta vie avec elle. C'est pour ça que moi, j'ai refait ma vie aux côtés d'un homme bon, avec qui j'ai une maison, avec qui j'ai un enfant. Notre enfant, à Felipe et à moi. Alors pourquoi je sens que cet enfant est le mien? Pourquoi as-tu autant tenu à t'éloigner de moi pendant le voyage? Dis-le-moi, pourquoi? Parce que ce n'est pas ton fils, Leonardo, ce n'est pas ton fils, comprends-le. Toi, tu as tes enfants. Tu as tes enfants avec Rebecca. Et moi, ça, je l'ai toujours respecté. Maintenant, à ton tour de me respecter, moi et ma famille. Alors ne t'approche plus jamais de nous. Ne t'approche plus jamais. Irène, ne t'en va pas. Si tu veux, je t'appelle un taxi. Pas la peine, Maribel, je m'en vais. Ne t'inquiète mais pas, ça sur va. Écoute, si tu as besoin de quelque chose, tu sais que tu peux compter sur moi. Irène, je ne veux pas te faire de mal. Excusez-moi. Je suis prêt à parler à Felipe, si tu veux. Tu n'as rien compris du tout, hein? Ton égoïsme t'empêche de voir plus loin que le bout de ton nez. Mon égoïsme? Oui, ton égoïsme. Tu es un égoïste, tu as toujours été un égoïste avec moi, avec tes enfants. Irène, s'il te plaît. Stop, Leonardo, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Retourne avec ton épouse. Et surtout, oublie-moi et oublie aussi mon enfant. Et ne me cause plus de problèmes, s'il te plaît. Je suis en droit de savoir. Si Matteo est mon fils, j'ai le droit de savoir, Irène. S'il te plaît, comprends-moi. Ce n'est pas ton fils. Matteo n'est pas ton enfant. Que ce soit clair pour tout le monde. Mon enfant, Matteo, n'a rien à voir avec ce monsieur. Rien. Maintenant, oublie-moi, Leonardo. Adieu. Tu sais, franchement, je suis très étonné et complètement horrifié par tout ce que tu me racontes, par tout ce qui t'est arrivé. Comment as-tu pu supporter toute cette souffrance? Ah, tu sais, Carlos Ernesto, je ne sais pas comment j'ai fait pour supporter autant de douleurs. Ce que cet homme m'a fait a marqué ma vie pour toujours. Mais je dois t'avouer que dès que j'ai senti que ma fille bougeait dans mon ventre, j'étais la femme la plus heureuse du monde. Tant mieux. Et malgré toute cette affaire, cette condamnation terrible et si injuste, tu as continué d'aller de l'avant pour ta fille qui est une fille digne, une fille gentille, studieuse, intelligente. Et belle comme toi. Enfin, ça, je dois à ma mère et à Irène. Maria Lucia est fantastique grâce à elle.
C'est ce que j'ai de plus précieux dans la vie, Carlos Ernesto. Écoute, moi, tu sais ce qui m'impressionne dans tout ça, c'est que malgré tout ce qui t'est arrivé, tu continues d'être honnête, tu n'as aucun ressentiment. Tu ne veux faire de mal à absolument personne. Et toi, Carlos Ernesto? Quoi? Avec toutes les épreuves que tu as traversées dans la vie, tu restes un homme intègre, noble? Et tu n'as pas perdu ton sens de l'humour? Ah non, ça jamais. Tu sais, je crois que la vie nous a unis parce que toi et moi, nous sommes deux survivants. C'est pour ça qu'on est ensemble. On mérite d'être heureux et c'est pour ça que je t'aime autant. C'est pour ça que je t'adore, que je te désire et c'est pour ça que je veux que tu restes avec moi pour le reste de ma vie. Tu veux? Oui. Irène, qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi tu t'en vas par ici? Parce que je veux pas que quelqu'un me voie, Maribel. Je sens que la culpabilité se lit sur mon visage et je veux pas qu'on se moque de moi. Arrête, personne ici ne se moque de toi, Irène. Maribel, mon Dieu, j'ai travaillé ici et je le sais. Oh, Irène, mais ce sont des envieuses. Ne fais pas attention à ces secrétaires. Ici, dans cette société, il y a beaucoup de gens qui t'aiment et qui t'apprécient. Comme moi, par exemple. Alors ne sois pas triste. Écoute, calme-toi. Calme-toi et dis-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce que t'as dit, monsieur Leonardo? Pourquoi tu fais cette tête? Tu es en train de trembler de froid. Ce n'est pas lui, Maribel. C'est moi. Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai menti. Je lui ai dit beaucoup de choses méchantes et que Matteo n'est pas de lui. Irène... Maribel, je me sens très coupable de tout ce qui se passe. Mais je dois avant tout protéger Matteo. Je dois avant tout protéger mon enfant. Papa? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde est en train de dire que tu t'es disputé avec Irène tout à l'heure. Rien, mon fils. Pour l'instant, je ne peux pas parler. Je dois réfléchir. Papa, non. Je vois bien que ça va pas. Tu veux qu'on aille voir un docteur ou je peux en faire venir un ici si tu veux, c'est plus simple. Ce que j'ai, aucun docteur ne peut le soigner, mon fils. Et maintenant, j'aimerais bien être seul. J'aimerais penser. Je ne peux pas parler pour l'instant. Ah, oh, mais... Moi, tu peux me parler. Confie-toi à moi. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu, mon fils. Et cette fois, je sais que c'est définitif. Je l'ai perdu pour toujours. Si me dices que no puedo estar contigo. ¿Y para qué? Eso no importa. Papa, mais enfin, dis-moi de quoi il s'agit, je pourrais peut-être t'aider, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? Irène t'a menacé? Il y a un problème avec ma mère? Non, mon fils, ce n'est pas ça. C'est que... J'ai perdu Irène. J'avais gardé l'espoir, même infime, de la récupérer un jour. Qu'on puisse reformer de nouveau un couple quand toute cette tempête serait passée, mais ce n'est pas le cas. Je lui ai trop fait de mal. Et tout est de ma faute. Parce que je n'ai pas su l'aimer. Je n'ai pas réussi à lui dire la vérité à temps. Ou peut-être que je n'ai pas fait ce qu'il fallait avec vous, mais je n'ai pas su lui montrer la force de mon amour. Ne dis pas ça, papa. Tu as été un très bon père et tu sais, on comprend que tu avais toute une société à diriger, mais on sait aussi que tu as toujours été là pour nous. Mais j'aurais dû faire beaucoup plus. J'avais appris cela d'Irène. À ses côtés, j'ai réappris à vivre avec vous. Et c'est de là que vous êtes redevenus mes enfants. Oui. Oui, papa, mais tu es avec maman maintenant. Ou bien tu n'es plus sûr de vouloir être avec elle. Mon fils, maintenant, tu es devenu un adulte. Je peux te dire des choses que jamais je n'aurais pu te dire auparavant. Eh bien, vas-y, parle-moi, dis-moi tout. Je n'aime pas Rebecca, mon fils. Je ne l'aime pas. Je la respecte. Et ça m'inquiète parce que je ne veux pas l'abandonner. Mais je ne l'aime pas. La femme que j'aime,
C'est Irène Gutiérrez. Dis-moi, Gloria. J'ai des nouvelles pour vous. Bon, eh bien, j'espère bien qu'elles sont bonnes. Parce que là, je me repose. Écoutez, Madame Gutiérrez est venue pour parler de quelque chose à monsieur, mais tellement fort que tous les employés ont entendu. Parler de quoi? De quoi cette femme est venue parler à mon mari? Apparemment, il insiste pour savoir si l'enfant de cette femme est son fils ou non. Mais c'est absurde! Leonardo n'est pas le père de ce bébé. Je vous dis juste que j'ai entendu. Et je vais vous dire une chose. Cette femme le manipule depuis toujours. Franchement, ça se voit tout de suite de quel genre de femme il s'agit. Gloria, j'en ai rien à faire de tes commentaires. Et tout ce qui a rapport avec cette femme, je n'en ai rien à faire non plus, parce que Leonardo me le dira. Toujours la même chose. Oui, bien sûr. Leonardo va me le raconter. Ah, Irène Gutiérrez, tu commences à me taper sur les nerfs. Et si tu continues de retarder la signature de l'acte de mariage, je te jure que tu vas le regretter. Et beaucoup. Tu t'es rendu chez Alejandra et tu l'as menacée. Non, 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 je n'y suis pas allé pour la menacer. J'y suis allé pour l'avertir. Que si vous décidez d'agir contre nous, vous allez le regretter. Tu l'as menacé, elle et sa famille. Et là, tu viens demander des comptes comme si j'étais un de tes employés. Quelqu'un doit bien donner les ordres dans cette affaire, n'est-ce pas? Non, tu te trompes, Adolfo. Je n'ai pas de patron. Moi, personne ne me dirige pour la simple et bonne raison que je ne le désire pas. Oui, c'est bien. Mais je suis venu me plaindre de ton inefficacité. Je ne suis pas seul dans cette histoire, Rodrigo. J'ai des associés. Ce n'est pas mon avis. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a personne au-dessus de toi. Bon, tu peux penser ce que tu veux. Mais il vaudrait mieux que tu me remettes ces preuves. Sinon, ta femme le fera. Non. Non, je ne te donnerai rien du tout. Ces preuves sont une assurance vie pour moi et pour Alejandra. J'espère quand même avoir ces preuves dans les 48 prochaines heures, sinon je ne ferai rien pour éviter les conséquences. Ah, et à propos, je voudrais absolument que tu t'occupes de l'affaire au tribunal. Parce que sache que l'enquête pénale a commencé aujourd'hui. Je préfère ne pas intervenir dans cette histoire. Je ne veux pas être mêlé à cette affaire. Mais tu as entre les mains le meilleur informateur que tu puisses avoir, Virginia Gutiérrez. J'espère que tu sais la manipuler. Parce que jusqu'à maintenant, tu n'as fait que nous décevoir. Les seuls dans cette histoire qui n'ont pas été honnêtes, c'est vous. Non, non, tu te trompes. Ce n'est pas ça. Enlève-toi cette idée, ce mensonge de la tête, non. Et démontre-moi que je ne me suis pas trompé en t'intégrant à tout ça. Oh là là, je suis le gentil petit garçon, mamie. Bonjour, grand-mère. Bonjour. Oh, il est où, mon gros bébé d'amour? Pas vrai que je suis ta cousine préférée? Ah, bien sûr que non, ça a toujours été moi, sa préférée. Ah non, arrêtez un peu. Ne le dérangez pas, il est tranquille. Où est Irène, grand-mère? Pose-moi une question plus facile, parce que la seule chose que je sache d'elle, c'est qu'elle est allée parler à Leonardo Ferrandiz. Attends. Irène, la mère parfaite, vient ici, elle t'amène le bébé, elle s'en va et tu dis rien. Le pire, c'est que c'est Felipe qui m'a amené le petit. J'espère que cette conversation n'aura pas de sombres conséquences. Oui, bon, j'imagine qu'Irène avait sûrement de bonnes raisons d'aller en parler à cet homme. C'est ce que je pense, je sais pas moi. C'est ce que je pense, je ne sais pas. Quel commère tu fais? Bien sûr que non. Irène ne devrait plus rien avoir à dire à ce monsieur qui lui a fait autant de mal. J'espère qu'elle ne commettra pas d'imprudence par rapport à Matteo. Oh, grand-mère, arrête, faut pas exagérer. Personne ne veut faire du mal à ce bébé. Oh, mon chéri. Oh, mon chéri. Vous avez entendu? Qu'est-ce que c'est? Laissez, je vais voir. Ah, attends. Cette fille est comme sa mère. Elle veut toujours savoir tout ce qui se passe. Laisse-la.
Maria Lucia, tu vas pas le croire. Viens, viens, il faut que tu vois ça. Maria Lucia. Allez, viens. Maria Lucia. Ah, Maria Lucia, tu sais bien comment est Sandra. Mon amour, mon chéri. Oui, entrez. Excusez-moi. Désolée, Madame Agustina, mais j'étais inquiète. Vous n'êtes pas descendue déjeuner. Vous voulez que je vous prépare quelque chose? Non. Je n'ai pas faim, merci. Très bien. Consuelo? Oui, madame. Par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Ce n'est pas grave. Ça devait être... comme tout le monde le dit, le stress. Non, non. C'était beaucoup plus que ça, Consuelo. On s'est moqué de moi, n'est-ce pas? Si, je sais que tout le monde s'est moqué de moi. Ils ont ri et ils ont dit que je suis folle, n'est-ce pas, Consuelo? Non, madame, ce n'est pas du tout ça. Nous sommes tous très inquiets pour vous. Non, 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 je sais bien que tu me mens. Je sais parfaitement bien qu'on dit de moi que je suis folle. Si, c'est vrai, mais moi, je ne suis pas folle, Consuelo. Malgré les apparences, je sais très bien ce que je dis, Consuelo. Et moi, je le sais, ce que ma sœur est en train de faire, Consuelo. Je sais ce qu'elle est en train de faire, qu'elle fait semblant. Et moi, je ne veux pas, Consuelo. Il s'agit de ma famille. C'est ma maison, c'est ma famille et je veux veiller sur eux, Consuelo, et je veux que personne ne leur fasse de mal, personne. Non, 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 il n'arrivera rien. Si le Seigneur le veut, il n'arrivera rien. Vous pouvez être tranquille. Reposez-vous et s'il vous faut quelque chose, s'il vous plaît, dites-le-moi, hein? Alors, Léo, je peux savoir ce que c'est que ce scandale? Tu veux que les voisins appellent la police? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es devenu fou? S'il te plaît, Maria Lucia, calme-toi. C'est juste de la musique, et la musique, c'est pas un crime. Comme ce n'est pas non plus un crime de t'aimer autant. Non, peut-être pas. Mais le problème, tu vois, c'est que tu finis toujours par créer des catastrophes. Et si tu continues comme ça, je vais avoir des problèmes. Attends, viens. Lâche-moi, Léo. Écoute, je vais te dire les choses très clairement. Il vaut mieux que tu n'insistes pas parce que tu n'arriveras jamais à rien. Et tu vas finir en prison. Léo? Léo, qu'est-ce que tu fais? T'es devenu fou? Bien sûr, je vais finir en prison. Mais avec toi, Maria Lucia. Attention, tu vas te faire mal. Bon, Gloria, je crois que décidément, il va falloir que je t'imprime le détail de tes fonctions à ce poste. Parce que je te rappelle que l'une d'elles, c'est de gérer l'emploi du temps de ton supérieur. Je peux savoir pourquoi Leonardo n'est pas venu? Je lui ai rappelé 3 fois, et la dernière fois, il m'a pratiquement balancé le téléphone. Oh mon Dieu, quelle horreur! Écoute, il va falloir que tu apprennes à travailler sous pression, Gloria. Parce que pendant que toi, tu te plains, en bas, tu vois, il y a tout le service juridique au 2e étage qui attend de recevoir des instructions concernant le litige des brevets. Je sais que c'est important, mais tu veux que je fasse quoi? Leonardo, on est attendu à la réunion, viens. Non, je ne vais pas y aller. Dis-leur de décider pour moi. Comment? Monsieur Leonardo, vous devez y aller, tout le monde vous attend, c'est très important. Alors annule-la, Gloria. Tu peux tout annuler. J'ai des choses beaucoup plus importantes à faire. Leonardo, tu ne peux pas partir comme ça sans donner d'explication. Enfin, c'est le patrimoine de ton entreprise qui est en jeu, réveille-toi. Ça, je l'ai parfaitement compris. Je ne suis pas en train d'abandonner, je suis juste en train de déléguer. J'ai des choses beaucoup plus importantes à régler personnellement à l'heure actuelle. Mais celui qui prend toutes les décisions dans l'entreprise, c'est toi. Carlos et Ernesto peuvent y aller à ma place, s'il te plaît. Demande-lui d'y aller. À vous deux, vous pouvez diriger cette réunion. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'il y a de si grave pour que tu t'en ailles. Justement, au moment où l'entreprise traverse une crise, on ne peut plus sérieuse. Alejandra, j'ai déjà fait ma part. Je suis allé jusqu'au laboratoire dans le sud.
J'ai collecté toutes les preuves nécessaires pour démontrer que la formule est la nôtre. Maintenant, c'est le rôle du service juridique de trouver une solution. Bien sûr, ils sont sûrement en train d'étudier les preuves, mais... Et si jamais il faut prendre une autre décision? Ce sera à vous de la prendre. J'ai confiance en vous deux. Je sais que vous saurez prendre les meilleures décisions. Ah, bien sûr. Bien sûr, maintenant tu as confiance en moi, hein. Qu'est-ce qui te prend, Leonardo? Moi, franchement, je n'arrive pas à croire la manière dont cette bonne femme te manipule. Tu te rends compte de ce que tu dis, hein? Je te dis que j'ai confiance en toi et en une seconde, tu as tout gâché. Gloria, s'il te plaît, appelle Carlos Ernesto et dis-lui, s'il te plaît, de diriger cette réunion. Parce que moi, je m'en vais. J'ai quelque chose de très important à faire. C'est compris? Alors, je peux savoir à quoi tu joues? Tu parles de ça? Ah, ce sont des menottes professionnelles. Oui, elles appartiennent à un agent de sécurité de la maison et... Comme elles étaient posées sur la table, je me suis dit que j'allais lui emprunter. Ah, et ça t'amuse, hein? Ça te fait rire. Fais-moi le plaisir de m'enlever ça et tout de suite. Ça ne s'ouvrira pas. Ouvre! Ouvre-moi ça maintenant, s'il te plaît. Mais je n'ai pas la clé. Comment ça, t'as pas la clé? Léo, ne joue pas avec moi. Fais-moi plaisir de prendre la clé et de les ouvrir, parce que je commence à m'énerver. Ok, très bien. Alors, dans ce cas, on va aller jusqu'à chez moi, on va chercher la clé, et comme ça, on pourra parler. Mais moi, j'ai rien à te dire, et j'ai pas l'intention de bouger d'ici. Ah, dans ce cas, on va rester comme ça ensemble, Maria Lucia. Parce que c'est comme ça qu'on devrait être tous les deux, ensemble pour toujours. Et comme ça, tu vas devoir m'écouter, même si tu ne le veux pas. Oh, écoute, Maria Lucia, je crois que tu devrais partir avec Léo pour aller chercher la clé. Parce que si ta grand-mère descend et te trouve comme ça, elle va mourir. Et en plus, qu'est-ce que les voisins vont penser? Pourquoi tu me fais ça, hein? Pourquoi tu ne me lâches pas? Je sais que tu aimes ça. Toi, t'es malade. Oui, mais c'est entièrement de ta faute. Je peux plus te supporter! Tu n'as pas le choix. Viens avec moi à la maison pour aller chercher la clé et tu pourras partir. Ok. Mais elle vient avec moi. Dis-moi, Gloria. Vous m'avez demandé de vous appeler dans le cas où M. Ferrandi sortait du bureau. Eh bien là, il vient de partir... Et avant, il a eu une dispute horrible avec Mme Altamirano. Qu'il se dispute avec Alejandra Altamirano, je n'en ai rien à faire, Gloria. D'après ce que j'ai entendu, le plus important pour lui dans sa vie, c'est cette bonne femme. Et il est sûrement parti la chercher. Gloria, quand tu dis « bonne femme », je suppose que tu fais référence à son ex-secrétaire, non? Bien sûr. À qui d'autre? Sinon Irène Gutiérrez. Merci beaucoup pour l'information, Gloria. Cette histoire avec l'ex-secrétaire commence à devenir incontrôlable. Je crois, Rebecca, que tu vas devoir t'en occuper... personnellement. On ne peut absolument pas permettre que Rodrigo reste impuni et qu'il s'en sorte aussi facilement. On ne peut pas le laisser continuer de vivre la grande vie. Écoute, mon amour, moi, tout ce que je veux, c'est que cet homme s'éloigne de ma fille. Écoute-moi. Une fois qu'on en aura fini avec ton cas, je te jure qu'on va porter plainte. On va le livrer à la justice et il payera pour ce qu'il t'a fait. J'ai pas envie de mêler Maria Lucia à un scandale, Carlos Ernesto. Pourquoi tu me dis ça? Tu n'as aucune raison d'en avoir honte. On va le faire pour toi. On va le faire pour ta fille et on va le faire pour toutes les femmes. Parce que les hommes qui font ça risquent de récidiver. Je t'assure qu'ils pourraient recommencer. Je voudrais vraiment oublier toute cette horreur que j'ai vécue. Excuse-moi, Carlos Ernesto. Leonardo m'a chargé de te demander d'assister à la réunion avec le service juridique. On doit étudier l'affaire des formules qui ont été volées. Je ne comprends pas, Alejandra. C'est normalement Leonardo qui gère ce dossier. Tout à fait, mais il se trouve qu'il est parti du bureau. Ah bon? Et pourquoi? Eh bien parce que comme d'habitude, il est parti courir derrière cette femme, Irène Gutiérrez. Tu imagines, après l'énorme scène qu'ils ont faite devant tout le personnel, il est parti en courant derrière elle. Tu dois absolument comprendre qu'on ne peut rien faire. On va aller chez moi et on va chercher la clé et c'est tout. Ou on peut aller chercher une scie pour te couper la main. Finalement, c'est ce que tu mérites, Léon. Je trouve que c'est une excellente idée. Merci pour ton aide, Sandra. Sandra, s'il te plaît, ne me laisse pas seule avec ce malade, d'accord? Tu viens avec moi. Mais je peux pas! J'ai laissé la porte ouverte. Et si quelqu'un va raconter à ta grand-mère ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Elle va faire un infarctus, Maria Lucia. Sandra a raison, Maria Lucia. On va aller jusqu'à chez moi et ensuite je te raccompagnerai. Je veux juste que tu m'écoutes, c'est tout. Ah, et si j'ai pas envie de t'écouter, on fait je comment? Je crois que t'as pas le choix. Tu vas aller chercher la clé et après tu rentreras. Et surtout,
Ne crois pas ce qu'il va te dire. Non, ça fait déjà longtemps que je crois plus un mot de ce qu'il me dit. Alors tu ne perds rien à m'écouter. Je te promets que je te raccompagnerai. C'est bon, tu vas m'ouvrir ces menottes et ensuite je me débrouillerai seule, ne t'inquiète pas. Et Sandra, s'il te plaît, mon amie, tu vas inventer quelque chose pour ma grand-mère, mais surtout tu lui dis pas que je suis avec cet imbécile. Oui. Je veux pas qu'elle fasse un autre malaise. Ok, ça marche, j'y vais. Attention. Oh non, la pauvre Irène, elle avait l'air vraiment bouleversée et à cause de cette dispute avec Monsieur Leonardo. Quelle situation désagréable, non? Franchement, pauvre Madame Irène. Ah, et moi qui voulais l'accompagner, rester avec elle, la soutenir. Mais tout ce que sait faire cette idiote de Gloria, c'est me suivre, voir ce que je fais. Je crois que cette femme est payée pour me surveiller. J'ai vu ce qui s'est passé et vraiment c'est triste. Ah non, Tony, tu aurais dû voir sa tête quand elle est sortie du bureau. Je ne veux même pas imaginer ce qu'ils se sont dit, mais elle n'arrêtait pas de pleurer. Ah, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quelle situation horrible et désagréable! Personne ne le sait, Maribel. Écoute, tous les deux sont très mal. Ah. Cette histoire est devenue très compliquée. Ah, et maintenant, Monsieur Leonardo insiste pour connaître la vérité sur Matteo. Et ça, vraiment, c'est de la folie. Mais dis-moi, Maribel, combien de temps encore vont-ils pouvoir cacher la vérité? Combien de temps ils vont pouvoir cacher ça, hein? Écoute, Tony, Irène ne reviendra pas sur sa décision. Je sais qu'elle fera tout pour protéger son fils, quoi qu'il arrive. Bonjour. Bonjour. On m'a dit que tu n'étais pas encore partie du bureau, alors j'ai supposé que tu étais ici. Je retourne tout de suite à mon poste de travail. Non, non, non. D'abord, je veux que tu répondes à une question et je sais que tu connais la réponse. Le fils d'Irène, Matteo, est-ce mon fils? Monsieur Leonardo, vous me mettez dans une situation inconfortable. Que voulez-vous que je vous dise? Moi, je ne sais rien. Maribel, tu aurais très bien pu me dire non. Mais à ta façon de me répondre, je comprends que si. C'est bien mon enfant. Non, 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 monsieur Leonardo, je n'ai pas dit ça. Moi, je sais seulement ce que mon amie Irène m'a dit et ce qu'elle a dit à tout le monde. Et puis, je ne crois pas que mon amie Irène soit une menteuse, surtout concernant un sujet aussi sérieux que Matteo. Écoutez, monsieur, je vous recommande d'aller parler directement à madame Irène. Elle ne veut pas me parler. Elle ne veut plus discuter avec moi. Elle refuse même que je m'approche d'elle et du bébé. Ah, monsieur Leonardo, vous devez essayer de la comprendre. Quand les couples se séparent, le mieux, c'est de prendre un peu de distance, non? Pour le bien-être des deux et du bébé. Oui, monsieur, écoutez, il faut attendre que le temps passe et que les choses se calment un peu. Mais il faut attendre. Et combien de temps je dois attendre, hein? Jusqu'à ce que le petit soit grand. Je ne peux pas vivre avec ce doute. J'ai besoin de certitude. J'ai besoin d'avoir une réponse, Maribel. Est-ce qu'on fait trop de bruit? Ah. Je vois qu'ils vous ont déjà raconté l'histoire et qu'on se moque de moi. Ma tante, personne ne nous a raconté d'histoire. Celle qui nous racontait des histoires, c'était maman Irène. Mais comme maintenant elle ne vient plus... Consuelo nous a dit de ne pas faire de bruit parce que tu te sens mal. Et tu es sûre que c'est seulement pour ça? Bien sûr que oui. J'ai même mis mon casque. Et tu te sens mieux? Je me sens parfaitement bien. Hein? Ne vous inquiétez surtout pas. Je ferai en sorte que personne ne vous fasse de mal. Je sais pourquoi tu essaies de m'éviter. Quand je suis proche de toi, tu te sens perdu. Parce que je sais qu'au fond de toi, même si tu le nies, je sais que tu ressens de l'amour pour moi. Ah, je ne te supporte plus, imbécile! J'adore quand tu es comme ça. Attention! Toi, attention! Maintenant, il faut qu'on parle. Écoute-moi bien, je n'ai absolument rien à te dire, Léo. Je veux qu'on aille chez toi, qu'on trouve la clé de ce truc, qu'on l'ouvre et que tu me laisses tranquille. J'adore quand t'es comme ça. Ah, s'il te plaît, tu peux démarrer la voiture? T'es sérieux? Mais je ne peux pas, regarde, je ne peux pas. Merci. Merci. Et bon, la ceinture, c'est très important, non?
Ta ceinture. Excuse-moi, voilà. Tu vas mettre ton bras là, voilà. Bon, à moi. Tu peux m'aider? Non, je suis coincée, je ne peux pas. Ah, j'ai réussi. Pardon, oui, oui, c'est bon. Aïe! Pardon, excuse-moi, j'avais oublié. Quoi? Mais comment ça, Maria Lucia est partie avec des amis? Comme ça, sans me prévenir? Ce sont des amis de l'université, Madame Trinidad, oui. Elles sont passées et elles ont commencé à parler. Et juste à ce moment-là, elles se sont aperçues qu'il leur manquait un livre pour finir le travail qu'elles doivent rendre de toute urgence. Ah, un livre. Oui. Quelle bibliothèque est ouverte à cette heure? Ah, non, non, non. En fait, le livre, c'est une des filles qui l'a chez elle, oui. Et d'ailleurs, c'est ici, c'est juste à côté. Ici, ici à côté? Oui, juste à côté. Et c'était quoi cette musique qu'on entendait? Est-ce que ça aussi, ça avait un rapport avec ces filles? C'est elles qui faisaient ce bruit-là? La musique, ah. En fait... Bonjour, maman. Sandra. Bonjour. Bonjour, ma fille. Comment ça va? Tu as vu Maria Lucia en bas? Non, je ne l'ai pas vue, maman. Et Matteo? Il s'est endormi. Ça ne va pas, n'est-ce pas? Oh, ma fille, mon Dieu. Qu'est-ce que t'as encore fait, ce maudit Leonardo Ferrandiz? Non, maman. Ce n'est pas lui. C'est moi. Je lui ai menti et je lui ai dit des choses horribles. Je me sens très mal. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as dit exactement à Leonardo? Le moment que je craignais le plus est arrivé, maman. Leonardo suspecte Matteo d'être son fils. Il me l'a demandé. Et il est même allé jusqu'à demander à Felipe. Et il m'a mise dans une telle situation que... je n'ai pas eu d'autre choix que de continuer à mentir. Oh, mais ma fille, mais tu n'as aucune raison de te sentir mal. Tu fais ça pour ton fils, et bon... pour un enfant, on ferait n'importe quoi. J'en sais quelque chose. Maman, mais je me sens coupable. Je sens que je suis en train de le priver de son droit. Son droit de savoir que Matteo est son fils. Ah, et toi alors? Rentre faire tes devoirs et écoute, ne crois pas que j'ai gobé un seul mot de ton histoire avec Maria Lucia et ses amis. Quand elle rentrera, elle me devra une explication. Oh, Madame Trinidad, vous n'avez pas confiance en moi, c'est toujours pareil. Sandra. Ok, mais ok, je m'en vais. Pas entendre. Excusez-moi, j'y vais. Ma fille, tu ne l'as privée de rien, Irène. Parce que ce monsieur ne mérite rien du tout. Même pas un bonjour. Il n'est pas le père de Matteo. Mais c'est bien grâce à lui que je l'ai eu. D'accord, mais écoute-moi bien. Un père, ce n'est pas un homme d'une seule nuit, d'un accident, mais celui qui l'élève. Oui, c'est Felipe qui est avec lui depuis sa naissance et qui l'aime. Leonardo l'a abandonné. Maman, Leonardo ne l'a pas abandonné. Parce qu'il ne le sait pas, je... j'ai menti. Je l'ai privé du droit de savoir que Matteo est son fils. Et je suis en train de laisser mon fils grandir avec ce mensonge. Je ne sais pas si je vais pouvoir le supporter, maman. Je ne sais pas. Comment ça, il a menotté Maria Lucia? Ça devient vraiment n'importe quoi, Sandra. Aucun garçon ne peut obliger une fille à faire quelque chose contre sa volonté. Ça, c'est horrible. Ah, s'il te plaît, maman. Écoute, Léo est l'amour de la vie de mon ami. Il n'est... il ne l'a pas séquestré. Il l'aime beaucoup et il lui ferait pas de mal. Écoute, c'est n'importe quoi. Je trouve ça très irresponsable. En plus, ce garçon ne devrait pas oublier qu'il a encore des problèmes avec la justice. Parce que si je me rappelle bien, il est en liberté provisoire et en attente de son jugement. Ah oui, mais c'est pas pour ça, maman. Écoute, c'est n'importe quoi, Sandra. C'est vraiment irresponsable à tous les points de vue et...
Et moi, j'espère qu'ils trouveront vite cette clé pour régler cette histoire au plus vite. Et... ah, bon sang. Et puis que Trinidad ne découvre rien. Et ce garçon non plus. Comment il s'appelle? Damien? Oui, Damien. Oh, Damien! Oh, maman, Damien, il va venir nous chercher. Il a dit qu'il viendrait nous chercher tout à l'heure. Oh, et si Maria Lucia n'est toujours pas revenue, qu'est-ce que je lui dis? Oh, non. J'étais très nerveuse parce que moi, je ne savais pas quoi répondre et il m'a prise par surprise et je ne sais pas, je crois que j'ai trahi mon ami. Non, arrête, tu n'as trahi personne, Maribel. Ici, la seule personne qui puisse assurer avec une certitude absolue la paternité de Matteo, c'est Madame Irène. Le reste ne sont que des suppositions, n'est-ce pas? Ah, et si jamais Monsieur Leonardo lui demande de faire un test ADN, parce qu'il peut le lui demander quand il veut. Bon, alors tu sais, on va appeler Madame Irène tout de suite et lui dire de cacher toutes les brosses à dents de la maison et de raser la tête du bébé. Mais Tony, n'importe quoi! On ne peut pas plaisanter avec un sujet aussi sérieux que le petit Matteo. Bon, au moins je t'ai fait sourire un petit peu, non? Tu sais quoi? Je vais emmener ce dossier et... je vais t'acheter un gâteau pour que tu oublies ce moment désagréable. Mais attends, fais très attention parce que sinon je vais m'habituer. Et après, je ne sais pas si tu pourras suivre. Bon, au chocolat? Oui, oui, oui. Grand ou petit? Grand, grand. Grand? Bonjour, Gloria. Ouais... je t'ai dénoncé. Je t'ai dénoncé, chérie. Je t'ai dénoncé pour toutes les fois où je t'ai pas vu à ton poste de travail. En plus, j'ai pris des photos au cas où ils demandent des preuves. Et ça, ils vont te le retirer de ton salaire. Et si tu continues comme ça, ma chérie, c'est toi qui vas finir par devoir de l'argent à la société. Le... ciao! Oh, maudite sorcière! Bien, messieurs, une fois que la requête sera introduite, on pourra commencer à agir. On va commencer avec les interrogatoires. Interroger les personnes qui sont impliquées. Et rappelez-vous que tout ça doit se dérouler de manière volontaire. Si elles nient, on ne peut rien faire contre ça. Mais nier reviendrait à reconnaître qu'elles ont quelque chose à cacher. C'est vrai, Rodriguez. Mais peut-être qu'il y a des gens importants impliqués dans cette affaire. Hein? Peut-être que ce sont des personnages publics ou bon, simplement des personnes proches de la famille Ferrandiz. Ils vont tous essayer d'éviter d'être mêlés à cette affaire. Et après, toutes ces années, je bon, crois ça, que... bon, ça c'est votre travail d'avocat, hein? C'est votre travail de les convaincre. Moi, je crois que je vais m'occuper personnellement de Adela Ferrandiz et des frères du défunt. Oui, entrez. Felipe Rincon, si je ne me trompe pas. Oui, c'est moi. En effet. Désolée de vous interrompre, mais il y a une chose très importante dont il faut absolument que je vous parle. Merci pour le petit café, maman. Je suis un peu plus calme. Je vais rentrer parce que je ne veux pas que Felipe arrive et qu'il ne me trouve pas. Je ne veux pas aggraver les choses. Oh non. Non, Matteo est endormi. Ne le réveille pas encore, reste un petit peu plus ici. Maman, je pars en taxi, il pourra dormir sur le chemin. Il est peut-être déjà réveillé, je vais aller voir. Bonjour, Madame Trinidad. Excusez-moi de vous déranger. Je sais que vous n'aimez pas ma présence dans votre maison. Mais j'ai besoin de parler à Irène. Et je ne partirai pas tant que je ne l'aurai pas fait. Perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Más perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que?